Hello guys! Écoutez, pour ce nouveau vlog, on commence sur un choix de rouge à lèvres qui va aller avec mon make-up du jour. Pas très intéressant, mais indispensable. Je sais pas si le programme du jour va être hyper intéressant, mais je me suis dit que j'allais quand même vous amener avec nous. On va aujourd'hui à Ikea en Corée, du coup. On va manger là-bas, etc. Passer un peu de temps et tout. Parce que de base, on a une mission, c'est-à-dire racheter des oreillers. Parce que je suis en train de péter littéralement un câble contre les miens. L'intérieur, là, tout fluffy, commence à un peu trop, genre, se dispatcher là où j'ai pas envie. Du coup, genre, je ne suis pas confortable sur ces oreillers. Donc, il faut vraiment que j'aille acheter mes oreillers préférés de chez Ikea. Ceux que toute ma famille ont chez eux en France. Voilà, c'est les best oreillers, je ne veux rien savoir. Donc, bref, anyway, du coup... je vous amène avec nous. Là j'ai Monsieur Byung qui est encore à la douche. Ça fait une heure que j'attends, je vous promets. Et après on dit que ce sont les femmes qui mettent du temps à se préparer. C'est pas vrai du tout. Ce sont les hommes qui mettent du temps à se lever. Tiens, petit tips make-up pour ceux qui ont envie d'avoir des bonnes marques à acheter. Je vous en fais pas souvent en vrai, alors que bah vraiment sur Insta c'est ma vie quoi. Au niveau des marques de rouge à lèvres, si vous cherchez des bonnes marques en Corée, des marques coréennes du coup, moi j'ai deux marques préférées et je vais vous montrer. C'est la marque, celle que je mets aujourd'hui du coup, Rome End. Ils font plusieurs formats de rouge à lèvres. Genre là c'est des versions stick matte, mais vous avez aussi des versions en lip tint, genre matte et également gloss. Ils sont vraiment très très bien. Et j'ai aussi une deuxième marque à vous montrer, c'est la marque Peripera. Genre alors ça c'est vraiment le best-seller de leur marque et c'est... Je comprends pourquoi le best-seller, puisque c'est mon favori de tous les temps, genre il est vraiment trop trop bien. J'ai ma collègue de travail aussi d'ailleurs au passage qui aime trop ce format-là de cette marque. Genre vraiment ils sont vraiment extraordinaires ceux-là. Et vous avez du coup les versions comme ça, lipstick genre matte. Et il y a aussi des versions comme ça, que j'aime un peu moins, mais en tout cas les deux versions... comme ça sont vraiment trop bien. Donc les marques Peripera et Robens conseillées à 10 000%. Voilà, c'était tout pour le point make-up. Bon, anyway, par contre, moi ça fait vraiment une heure que je suis prête là avec mon make-up. Donc je vais aller booster Mr. Biango qui est sous la douche. Et on va partir. Parce que j'ai pas envie de me taper non plus la pluie. Là je crois qu'il pleut plus. Donc si on pouvait partir maintenant, ce serait bien. Dans le bus. Il y a que nous dans le bus. VIP 아닌가? 너무 On vient d'arriver, on va aller manger, on a trop faim. Au resto d'abord. Ça y est, on est passé, on a été chercher à manger les gars. Je suis désolée, je vous ai pas filmé, mais vraiment il y a beaucoup trop de monde. Genre. Voilà, c'est bondé. Bref, on a trouvé quand même une place et là on va manger. Mais on a pris vraiment beaucoup trop de choses. Donc j'espère que Byung-woo a très faim. Il a toujours très faim, mais. Fais-moi plus idiot. Oh, mango. Bon appétit. Ah mais pissada, il est bon ça, il a tapé là. France quoi là. Hein? France quoi là. Italien. Ah oui, italien. Ah c'est Maestro? On vous retrouve tout à l'heure les gars, il y a beaucoup trop de monde, ça m'épuise. On a fini de manger, on est dans Ikea. Et il y a déjà 15 000 trucs que je veux acheter, c'est compliqué là. Oh, il y a des gens qui sont là. Bon, on vient de trouver les oreillers. Pourtant, tu as dit que 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 tu
오 마이 갓. 너 이런 거 사고 싶어? 난 지금 내 거 내 방 내 방 되게 기억하지. 어 알아. 근데 왜 이거 사 이거 사고 싶다고? 아니 이거 사고 싶으면 사도 되지 뭐. 지금 골라야 돼 근데. 난 너 거부터 하나 골라. 난 이거야. 아 이거 가져가 안 된다. 아니 알아. 근데 좀 찾아야지. 근데 여기 있을 거야? 여기 저 그 이런 저기 있을 거야. 스카프스카. Ces oreillers, c'est vraiment les meilleurs de la planète, les gens. Je veux rien savoir, genre. Ceux-là, là. Ceux-là, qu'on est en capture d'écran. C'est vraiment les meilleurs oreillers de la planète. Ils sont tellement pas chers en plus, genre. Ça vaut que dalle. Ils sont trop, trop bien. Faut que je retrouve mon mari. Je vais pas. Ah non, si, il est retourné aux oreillers. Non, rien. Qu'est-ce que tu veux dire? On donne une autre. Rose and Sperm. Sperm. Rosenskram. Ah, il y a eu l'histoire. Quoi? Il y a eu l'histoire. Oh, c'est ça. T'es sûr? D'ailleurs, on a pris ce qu'il nous fallait. On a choisi une cover pour le lit. Attends, je vous montre. C'est bleu. Et lui, il découvre Ikea, genre. Il est émerveillé partout. C'est ce qu'on a acheté du coup. Avec les oreillers. On voit Ikea ou t'es? T'es un peu là, tu me sens. Tu me dis. Oh, on a encore d'autres moments aussi. Comme d'autres là, de nouveau, rien. C'est meurt. Et c'est la première fois qu'il vient Ikea, il connaissait pas du tout. Et genre, du coup, ça le perturbe de ouf. De qu'il y ait ça et tout, et qu'on vienne chercher soi-même. Enfin bref. Du coup, je lui ai expliqué et tout comment ça marche, mais on dirait un enfant qui découvre son pays imaginaire. Genre. On va payer. Et on va sortir vite fait parce que vraiment je n'en peux plus des enfants là. Je suis en train de faire une enfantite aiguë. J'aime bien les enfants, hein, mais pas les coréens, vraiment pas. Ils sont insupportables, mal éduqués, et éduqués comme des rois surtout. 15 000 enfants dans un même endroit qui font des caprices, je vous promets, c'est absolument pas agréable. Yosep, tu vois, le Yosep, il va bagner. Ça dit, non, tiens. Kaboudou, en face. Il bip, fait la caisse. Oh. 커, 커. 어, 너무 커 이거. 약간 배 모양이네. 어. 찍고 쭉. 내 베개. 네, 이제 섹시하지. 어. 안 되는 거야. Attendez, j'allais vous parler mais je m'écarte parce qu'il appelle le taxi. On vient de prendre un taxi pour rentrer à la maison, là il doit nous récupérer là. Parce que du coup on a quand même pas mal de trucs. Comme vous pouvez voir le pot. Donc du coup on attend le taxi. Mais genre ça fait je sais pas combien de temps qu'il est stationné au même endroit du coup. Oui, il y a bon. Le monsieur il dormait apparemment. Attendez, je voulais vous faire voir quand même, parce que on vous fera voir ce qu'on a acheté tout à l'heure. Du coup, mieux, on va faire l'unboxing avec vous. Mais le ticket de caisse, je vais vous faire voir, on en a eu pour combien, parce que c'est quand même extraordinaire. Regardez. Est-ce que vous verrez? Tcha! On en a eu pile poil pour 100 000 won. La perfection! Oh la perfection! Moi, quelle souris, Annie! Écoutez, pour ceux que ça intéresse de savoir à combien ça coûte Ikea en Corée, bah voilà, je vous ai amené avec moi. J'espère que ça vous a plu. Nous, pas trop trop. À la base, c'était censé, mais en fait, il y avait beaucoup trop d'enfants, comme vous l'avez compris. Donc, bon, Ikea, au tesseur. Pasta, là. C'est un peu là. Baguette, n'a pas de monde. Ah, moi, dans ce sens? Oui, baguette, n'a pas de monde. Ah, bon. Donc lui ce qu'il retient c'est la nourriture, déjà. Ok, yobo, yobo. Ikea, 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 Ikea,
시수였지? 애새끼도 죽어요. 한국의 애기 제일 안 낳는다고 하는데 한 명 한 명이 너무 큰 빌런이야. 맞아. Non, je vous promets les gars, on n'exagère pas quand on dit ça, mais vraiment les enfants coréens ils sont insupportables. Faut être ici pour le comprendre, mais ils sont élevés comme des rois, genre vraiment les parents disent rien, c'est insupportable. Là on faisait la queue pour manger tout à l'heure. Vous savez la queue là dans Ikea pour aller jusqu'aux endroits où il y a les buffets, les machins là. Il y avait un gamin derrière nous avec ses parents, genre Byung-woo s'est fait ploter les fesses par le gamin. Je vous rigole pas, genre vraiment il s'est fait ploter le cul par le gamin. Les parents ont rien dit, genre justement attention hein, faut plus faire ça. Et Guyante, que Hongdongi, Chom, et Hongdongi m'a donné un autre. Il s'est fait ploter le cul. Ah, il y a le taxi qui arrive. Je vous amène au taxi, les gars. Le taxi arrive. Il a vraiment pas fallu de genre 5 minutes avant que je rentre chez moi et que je me mette en pyjama. On va vous faire quand même un unboxing avant de vous laisser. Ça se fait pas quand même. De vous laisser comme ça sur des images un peu flou. Bon, unboxing 하자. 누가 같이 unboxing 할래 누가? 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 먹지 마. 먹지 마. 여보, 1층으로 와. 안 되나? Vous voyez là maintenant Mr. Byung-woo. Oui, non, voilà. Ça, ça va être pour moi, les amis. Parce que pour ceux qui savent, parmi mes abonnés, mais je pense que si vous avez déjà vu pas mal de mes vidéos, vous savez, je fais genre 95% de mon montage sur mon lit. C'est un homme heureux qu'on est ici. Un homme heureux. Ouh. Et moi le mien c'est, vous l'avez déjà vu, mais Scrooge Franklin. C'est pour ça que je suis en Suède. Ok, il n'y a pas de Suédois parmi vous qui serait offensé, non hein? Qui vous n'a pas acheté ça? Tiens, on ne me dit pas, t'as plein de choses, mais j'ai mis. Elle, derrière, elle perd patience, si vous la voyez pas, mais regardez, elle veut jouer, du coup elle arrête pas. Oh, les nougats. Oui, je vais jouer avec toi après, mon choubidou. Faut qu'on finisse l'unboxing avant quand même, voyons, on vous l'a promis. Mais c'est trop beau, ça. Mais Igon, t'as l'air dit. Non, non, c'est tout, allez. 넣었다고? 여기 안 넣었어. 아니요? 난 넣을 수 없는 거지. 이거 바로 하자. 아 오케이. 넥스트 앙슬리지자. 앙슬리지라는 건 불렀어. 앙슬리지자. 근데 이거 빨리 해야 될 것 같은데. 뭐? 냄새 나니까. 냄새 나고. 그럼 마지막 거는? 또 있어? 그거. 아이고. 왜? 그 저기 끝까지 봐야 되는 보여줘야 하는 거 아니야? 이거는 프라우스톤. 뭐라? C'est des trucs pour la cuisine. Parce qu'il nous fallait des petites serviettes pour la cuisine. Non mais les étiquettes par contre, ils abusent pas un peu, genre l'étiquette elle est plus longue que la. Il y a plus d'étiquettes que de. Oula, clé. Unboxing 끝났습니다. Merci d'avoir regardé notre superbe unboxing. On vous aime et on vous fait de gros bisous. Non, ça se fait pas de finir une vidéo là-dessus. 이렇게 끝나면 안 되는 거지, 영상. 그래, 우리 unboxing 봤으니까 고맙다고 비수 비수. 좀 싸가졌는데? Ben, je sais pas sur quoi je peux finir mon vlog. Sur quoi je peux finir mon vlog? Ikea 블로그인데 어떻게 끝나? 비수. 너 심하다 이렇게 하면. 비수. 오케이 오케이. 뭐 봐요. finir là-dessus parce que effectivement lui il dit bisous, ça veut dire qu'il est fatigué. J'espère que vous avez apprécié ce vlog. À bientôt les gars, à la semaine prochaine normalement. Mais à bientôt.
Bisous, yabo. Bisous. Bisous. You always make me